Eh bien, salut à tous, c'est Lespiné, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo information pour vous informer donc qu'il y a eu une nouvelle mise à jour. C'est la toute première mise à jour de Apex Legends. Donc, nous avons eu une mise à jour, on va dire, de la Saint-Valentin qui regroupe plusieurs informations et également pour vous informer que, effectivement, le jeu a eu un très gros succès au démarrage la semaine dernière. C'était début février, si je ne m'abuse. Il y a eu vraiment un gros succès sur Apex Legends, on ne l'avait pas prédit. Il y a eu plus de 25 millions de joueurs uniques au démarrage, avec un gros pic de 1 million de joueurs simultanément connectés. Vous imaginez 1 million de joueurs en même temps? C'est juste énorme. Mais en tout cas, pour la comparaison à Fortnite, il aura fallu l'année dernière à peu près 2 semaines pour atteindre ce même nombre de joueurs. Là, Apex Legends a atteint le même chiffre, mais en 72 heures. Alors, je pense que ça a dû avoir un effet significatif, le fait que, également, le jeu soit totalement gratuit sur toutes les plateformes. D'ailleurs, petite information, ils sont en train de travailler sur le fait que toutes les plateformes devraient être uniques pour pouvoir jouer tous sur une même plateforme. C'est-à-dire qu'on jouerait avec les Xbox et les PlayStation et les PCistes. Tous sur la même plateforme. Ce serait vraiment magique. Mais bon, sur ce, on continue avec la mise à jour de la Saint-Valentin. Donc il y a eu une mise à jour le 13 février pour la Saint-Valentin. Donc évidemment, il y a eu une mise à jour qui est déjà correspondante en fonction de votre plateforme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Donc il y a eu un ajout du badge bannière live dit live. C'est-à-dire que si vous faites revivre un membre de votre équipe entre le 13 février et le 19 février, eh bien vous gagnerez ce badge à durée limitée. Il faut juste faire revivre un membre de votre escouade. Tout simplement. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Après, 2 petits ajouts cosmétiques de la Saint-Valentin qui ont été ajoutés au magasin qui ne seront disponibles que jusqu'au 19 février. C'est le temps de les acheter ou jamais. C'est un skin de la DMR Longbow épique. Je vous invite à aller le voir directement dans la boutique. Et également une bannière de Pathfinder Love of the Game. Après, plusieurs stabilités, bugs et performances ont été réglées dans cette nouvelle mise à jour. Diverses améliorations et modifications de l'interface utilisateur. Délai d'attente prolongé provoquant des crashs pour les joueurs avec des disques durs plus lents, résolution d'un certain nombre de problèmes de stabilité des clients et des serveurs, glitch corrigé où vous pouviez dupliquer des objets dans votre inventaire, ça j'ai jamais eu ce glitch, mais soi-disant des joueurs se sont plaints, résolution d'un certain nombre de problèmes de stabilité de performance, résolution du problème qui suit, les joueurs obtiennent un écran gris dans le lobby lors de la première connexion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé cet écran gris? Moi jamais. Perso, je sais pas où c'est arrivé, mais pas chez moi. Ensuite, le problème résolu est le suivant. Votre liste d'amis affichée, tous vos amis comme étant hors ligne. Perso, ça m'est jamais arrivé non plus. Et la durée de l'œil du faiseur d'orage de Blue Doo a été réduite d'une seconde. Également, dans les équipements, une toute petite mise à jour de l'étoile à arc affiche maintenant un indicateur d'avertissement de grenade. Perso, c'est le truc que je me sers jamais. Mais bon, apparemment, certains s'en servent et avaient quelques petits problèmes d'indicateur. Et enfin, ils ont corrigé un certain nombre de problèmes liés à la carte Canyon des Rois, la seule map du jeu, avec par exemple des trous dans lesquels les joueurs pouvaient rester bloqués, ainsi que des problèmes de finition. Chose que ça m'est peut-être arrivé de glitcher à droite à gauche, mais vous savez, en restant appuyé sur la barre de saut, j'arrivais à me débloquer. Peut-être que certains étaient vraiment glitchés à travers le parquet, comme on dit. Et également, le PlayStation Plus Play Pack a été mis à jour avec des skins de larmes Flatline et des bannières. Cela affectera également tous les joueurs qui ont déjà reçu les skins. Eh bien, si vous voulez avoir plus d'informations, le lien est dans la description via Reddit, où j'ai repris toutes ces informations grosso modo.
c'est sur Reddit si vous voulez aller voir. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit condensé d'informations sur la nouvelle mise à jour vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur Apex Legends. C'est mon chouchou du moment. N'hésitez pas à bombarder les j'aime ou même les j'aime pas. C'est comme vous voulez. Écoutez, moi, je suis pas payé. Quoi qu'il arrive, je suis pas payé. Je suis plus monétisé, là. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Bonne journée, bon courage. C'était Lespiné. Ciao, ciao.